Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici Total Foot et c'est le débrief de ce match entre Monaco et Lyon et ce sera un nouveau format proposé aujourd'hui par rapport au débrief de la saison dernière. En effet, on a séparé, j'ai séparé le débrief en trois parties. On commence tout de suite. Et on commence avec la première partie, le rappel des temps forts. Donc dans le rappel des temps forts, on a une victoire 3-0 de l'Olympique Lyonnais avec des buts de Moussa Dembélé à la 5e, Memphis Depay à la 36e et à la 80e, c'est Lucas Touzard. L'équipe lyonnaise s'est créée beaucoup d'occasions et a mérité sa victoire. Et suite au but de Depay, l'équipe lyonnaise avait une impressionnante statistique de 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc franchement, ça montre l'efficacité de l'attaque lyonnaise. Du côté des temps forts aussi, on a l'expulsion dès la 30e de Francesc Fabregas. Le milieu de terrain espagnol de l'AS Monaco a été expulsé après une faute contre Léo Dubois. Il lui a marché sur le mollet, peut-être en ne faisant pas exprès, mais l'arbitre, lui, en a décidé autrement et a expulsé le milieu de terrain ibérique. Ensuite, on continue avec les temps forts. Il y a eu quelques changements aussi, mais le temps fort le plus important, à part les buts, c'est quand même l'expulsion de Fabregas. On poursuit avec la deuxième partie du débrief, en l'occurrence la parenthèse prono. Et dans cette parenthèse prono, si vous avez vu la vidéo de mercredi, j'avais pronostiqué une victoire de Lyon 2-0 contre Monaco. J'étais pas loin du résultat, victoire 3-0 des Lyonnais, donc je suis assez content de moi. Et en plus, j'ai commencé à faire un petit parcours prono sur MatchGuess. C'est une application de prono en ligne non payante. Donc à mon âge, c'est pas... Voilà, c'est pas... Vaut mieux que je fasse pas de trucs payants, donc voilà. Et on va commencer demain. Là, j'ai eu l'idée tout à l'heure pendant le match de Monaco-Lyon, donc j'ai pas pu mettre le match, enfin j'ai pas pu mettre de pronostic du match Monaco-Lyon. Mais sinon, je crois que j'aurais eu 4 points vu que score proche, c'est 4 points. On poursuit avec la dernière partie, l'homme du match. Et pour moi, l'homme du match, c'est un Lyonnais. Il s'agit de Memphis Depay. Je l'ai trouvé très mobile avec l'Olympique Lyonnais. Et en plus, un superbe but à la 36e à l'actif du joueur néerlandais. À voir ce qu'il pourrait nous proposer pour la saison, pour la suite. Memphis Depay. Voilà, c'était Total Foot. C'est tous les frérots. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé du match. Et même si vous aviez été au stade Louis II à Monaco, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos et aussi live de commentaires parce que je ne fais pas que des vidéos, je fais aussi des live commentaries. Voilà, c'était Total Foot. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et moi, je vous laisse. Peace!